Jean-Marc Rossignon, deuxième jour de ce TRW. Ça va être un autre décor puisque ça va monter à Bénezet. Mais en tout cas, déjà une première journée positive hier avec la victoire in extremis de Timothy Dupont dans un sprint très serré avec Royans. Exactement. Disons qu'hier, c'était le but de gagner. Je crois que l'équipe a super bien roulé pour bien amener notre copain Timo dans la finale. Après, c'était serré, mais enfin, la victoire, c'est toujours celui qui passe la ligne, qui l'a franchi en premier, qui l'emporte. Donc, je peux comprendre que Royan, c'était pas très content, mais c'est comme ça. Un maillot jaune que, à mon avis, ce sera difficile de défendre pour Timothy Dupont. Oui, ce n'est pas le but non plus. On est là pour des autres ambitions au classement général avec Loïc Wiggen, entre autres. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la finale, comme tu le disais si bien, va être très dure. Et donc, la course va se faire vraiment là. Car à Bénezet, on sait que le mur final est assez. On le monte deux fois, est assez dur. À partir de Visé, ça va commencer vraiment à faire la course. Donc maintenant, on regarde le vent, on regarde la pluie pour la première partie de la course. Mm-hmm. Loïc Wiggen, il se sent bien là il est prêt. Il est pour l'instant motivé, il sort bien de son stage, de sa course pré-olympique là où il fait 5e à Tokyo. Donc je pense qu'il est vraiment pour l'instant dans une bonne spirale. Et l'équipe est là derrière lui et on veut essayer de le pousser pour faire le meilleur résultat possible.